Pendant très longtemps, on a cru que les personnes avec troubles du spectre autistique avaient des difficultés à reconnaître les émotions de manière générale. Or, c'est une erreur. Dans cette étude, on a pu mettre en évidence que leur capacité à décoder les émotions était préservée pour l'ensemble des êtres vivants, sauf pour les êtres humains. Depuis plus de 2 siècles, la biologie évolutive nous enseigne que l'être humain n'est qu'une espèce animale parmi les autres. La présente étude va plus loin en mettant en évidence le fait que, d'un point de vue instinctif, nous ne percevons pas de différence claire et nette entre d'un côté les humains et d'autre les animaux. Qu'est-ce qui fait que, pour le dire simplement, si en voiture on écrase un lapin, c'est une expérience qui peut être bouleversante, alors que en même temps, on n'en a un peu rien à faire de tous les insectes qui peuvent s'écraser sur le pare-brise de la voiture. Je suis parti d'une hypothèse qui est assez intuitivement évidente, à savoir que plus une espèce est proche de nous, comme par exemple les grands singes, plus on est sensible à leur sort. Sur cette image, par exemple, vous voyez différents yeux de différents animaux. Les yeux, c'est très certainement le meilleur moyen de communication des émotions. Tout en haut, vous avez l'être humain, puis un gorille, puis un macaque, et ainsi de suite. Et ces animaux sont classés de haut en bas en fonction de la proximité évolutive, c'est-à-dire du temps de divergence qui nous en sépare. Et on constatera que du haut vers le bas, il semble y avoir un gradient d'expressivité de ces différents regards. Le regard du haut nous touche beaucoup, le regard du bas est froid, impersonnel, presque mécanique. Pour comprendre la question des distances évolutives, il faut d'abord rappeler une chose, c'est que tous les êtres vivants sont tous apparentés, c'est-à-dire qu'ils descendent tous d'un même ancêtre commun et qu'au fur et à mesure de l'évolution, la diversité du vivant a ramifié et on la représente souvent sous la forme d'un arbre, comme ça, on voit qu'il se ramifie au cours du temps. Sur cette image, par exemple, l'homme et la souris, mais aussi tous les mammifères en général, ont un ancêtre commun qui se situe sur cet arbre au niveau du point vert. Et cet ancêtre commun existait il y a à peu près 90 millions d'années. C'est la même chose si on prend l'ancêtre commun à l'homme, aux insectes, mais également à tous les animaux qui sont situés après l'ancêtre commun de l'homme et de l'insecte. On voit que l'ancêtre commun, qui figure sur ce point bleu, est situé à 800 millions d'années. Eh bien, une distance évolutive, c'est très simple à comprendre. En fait, ce n'est pas une distance géographique, c'est une distance temporelle, c'est-à-dire c'est le temps qui s'est écoulé entre l'ancêtre commun des deux organismes considérés et le présent. Et c'est pour ça que cette étude est assez originale, car pour la première fois, on interroge les capacités d'empathie vers l'ensemble des êtres vivants et non plus uniquement vers les humains. L'empathie peut être définie de plein de façons. Dans notre étude, nous sommes restés sur une des définitions les plus simples, c'est-à-dire la capacité que nous avons de comprendre les émotions d'un autre individu, que ce soit un individu de notre espèce ou d'une autre espèce. La méthodologie était assez simple, c'était une étude en ligne où étaient présentées simultanément deux images d'êtres vivants. On posait la question pour vous, quel animal, quel organisme il est plus facile de s'orienter, de comprendre l'émotion. Et donc la personne devait cliquer sur une des deux images. En tout, il y avait 52 paires d'images présentées avec des organismes allant de l'être humain jusqu'à des plantes, jusqu'à des champignons. À partir de là, il est possible de calculer un score d'empathie. Dans notre étude, l'objectif était de recruter des personnes présentant un trouble du spectre autistique. On a eu plusieurs centaines de réponses et en mettant des critères de sélection, les critères diagnostiques, on voulait que les personnes présentent un trouble du spectre autistique ou un syndrome d'Asperger ou un autisme typique. Nous sommes arrivés à 202 personnes qui ont participé à notre étude. Dans cette étude a été aussi inclus un groupe contrôle. C'était un ensemble de la population générale, plus de 1000 personnes qui avaient répondu exactement au même test. Alors du coup, ce graphique montre la relation entre le score obtenu pour un groupe d'adultes avec TSA, ici en vertical, et un groupe témoin de la population générale en horizontal. Donc ces scores d'empathie, côté de 0 à 100 pour chacun des groupes, se répartissent sur une jolie diagonale. On voit ici les espèces, les groupes d'espèces les plus éloignés de l'être humain, plutôt dans des couleurs violettes et bleues. Et plus on va se rapprocher de la couleur orangée-rouge, plus on va se rapprocher de l'être humain.
Et au niveau de la couleur, nous êtres humains, nous sommes signalés en noir. Alors qu'est-ce que montre cette grande droite? Bien, tout simplement qu'on a une corrélation dans la perception de la diversité des êtres vivants entre notre groupe avec TSA et notre groupe témoin, sauf finalement pour l'être humain que vous voyez ici décroché, être décorrélé de cette grande droite. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les adultes avec TSA n'ont pas la même perception des êtres humains, n'ont pas les mêmes scores d'empathie pour les êtres humains que pour les autres êtres vivants. Et ça fait également écho au fait que l'on sait également que les personnes autistes peuvent néanmoins créer de forts liens affectifs avec les animaux, comme si quelque part, leurs difficultés de communication émotionnelle s'évanouissaient dès lors qu'elles sont au contact de leurs animaux de compagnie favoris. Moi, ce qui m'a surpris dans ces résultats, c'est de voir à quel point les personnes autistes pouvaient avoir des difficultés à comprendre les émotions des êtres humains, puisqu'en gros, ils ne comprennent pas plus facilement les émotions des êtres humains que celles des reptiles et des amphibiens. Et ça montre que nous-mêmes, on a aussi, par effet miroir, que nous-mêmes, on a que nous-mêmes, on ne les comprend pas, en fait. Que nous-mêmes, on n'arrive pas à imaginer à quel point ça doit être dur pour elles. Et donc, la difficulté de compréhension, elle est réciproque, et que ça doit aussi nous amener, nous, à nous questionner sur nos propres capacités empathiques à l'égard des personnes autistes.